Peu importe la force de la tempête, nous rebondissons. Dans les temps les plus difficiles, nous sommes tous ensemble. Nous nous élevons et nous chutons ensemble, en tant que nation et en tant que peuple. Même si vous avez déjà décidé pour qui voter, vous devez aller parler aux gens qui n'ont pas encore pris leur décision. Et vous devez leur dire que ce n'est pas seulement un choix entre deux candidats et deux partis, c'est un choix entre deux visions différentes de l'Amérique. Je crois qu'il y a la place pour des règles et des règlements intelligents, et je crois aussi qu'il y a des choses sur lesquelles on doit laisser les gens décider. Par exemple, je ne pense pas que les élus de Washington soient très intelligents quand ils essaient de contrôler les choix des femmes pour leur santé. Elles sont tout à fait capables de les faire elles-mêmes. Vous savez, hier, le président a dit quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu. Et je trouve ça dérangeant. Il parlait aux spectateurs et il a dit « Aller voter est la meilleure façon de prendre sa revanche. » Il demande à ses supporters de voter pour se venger. Moi, je vous demande de voter pour l'amour du pays. »